Bonjour YouTube, yes! C'est oui, la suite. Laurentius! Chut, Hugo! Mais. Et si c'était pas Laurentius? Hein? Tu y as pensé? Pardon. Il fait vraiment en plus toutes les erreurs de. Une douzaine d'heures! Oh, bah non, ça nous fera deux ou trois soirées de stream. Très bien. Il fait toutes les erreurs des enfants. Eh oh! Non, mais on t'a dit de pas faire de bruit. C'est ça, un moulin? Ce qui reste d'un moulin. C'est joli. Ah, j'ai l'impression que si j'appuie sur E, ça passe le dialogue. C'est tout noir. Il y a peut-être un monstre dedans. Petite musique du plaisir. Fermé. On doit trouver le moyen d'entrer. Plutôt rentrer par là. Et par contre, il y a quelque chose que je trouve très souvent, et voilà, c'est ça, c'est le E là. Enfin, le E. C'est. Ça. Là, il manque des outils. Là, il manque. Ok, attirail. Bah c'est peut-être idiot, mais en priorité je vais faire ça, juste pour que ça utilise les poudres, parce que j'en ai marre de devoir les laisser se perdre. Vide. Le cheval. Les rats ont dû passer par là. Le pauvre. Je sais pas si ça sert hein, de venir ici. Ah si, il doit y avoir un loot. Monte. Patrick. C'est vrai, c'est un Patrick tout mort. Ah. Pourquoi caillou? Quelque chose à viser? Il me donne des cailloux. Ok, au moins on a repéré les lieux. Je passe devant. Oui, oui. Ah, je viens de voir la trappe. Excusez-moi, je l'avais pas vue. Bah, ok. Je peux pas. Pauvre Patrick. Hein. C'était peut-être Michel. En tout cas, il y a une poule vivante. C'est ça qu'on l'air très lourd. Des céréales à varier. T'es encore en vie. Ça doit être pour le désolée cochon. Désolée pour tes amis. Voilà. Il buguait un peu le cochon. Donc il y avait un sac très lourd. Là aussi ça va être fermé. Ou Monique. C'est fermé. Oh non, oh, pas Monique. C'est impossible. Ah oh, pour son herbier. Une fleur. Ouais, ça je m'en doutais. Ah et d'ailleurs, où est-ce qu'elle est passée la mienne? Celle que j'avais dans mes cheveux. C'est pas trop le moment, tu sais. S'il te plaît. Bon, vas-y. C'est une encolie. Comme elle penche la tête, on dirait qu'elle est triste. Peut-être qu'elle se sentira moins seule avec nous. Oui, c'est pas bien de rester tout seul. Allez, allons-y. Putain, mais on voudrait tous un gamin comme ça, quoi. Adorable, des super pouvoirs. Mais non, mais c'était pas là. C'était là.
Pourquoi je dis des super pouvoirs? Parce que son mal de tête, je crois que c'est lié à la peste. Hein. Sois très prudent, d'accord? Oui. C'est bien. Ah, un atelier. Ah, oh, ça sent bizarre. De l'alcool pur, ça vient des alambics. Ah, un distillateur de drogue. Un dealer de zouk. Allons voir. J'ai pas d'outils par contre pour améliorer. Et ça, ça me fait chier. Il va y avoir une invasion de rats. Moi, je vois tout le gameplay d'une invasion de rats là. Donc avant d'aller voir le monsieur, je loot. Nice, il est pas là. Ce dessin, ça représente quoi? En tout cas, c'est joli. Ah, c'est joli? Ça représente quoi? Alors, voyons. Ah oui, j'en ai raté plein. Découvert dans la pierre cachée. Cette maxime résume la philosophie alchimique. Ah, fondée à l'étude. Ici, elle parle également le nom à l'acide sulfurique utilisé pour modifier la matière. Oh, il y aurait des notions de d'alchimie, le brave docteur. Merde. Bon, bah, il est là. Maître Laurentius, n'approchez pas, il est contagieux. Hugo, c'est toi. L'Inquisition est venue. Nous avons tout perdu. Je n'ai rien pu faire. J'ai... Je comprends. Ils sont venus le chercher. Il y a un mal. Un mal ancien. Dans le sang de ta famille. Dans ton sang. Ta mère et moi avons essayé de freiner sa progression. Mais depuis la brisure, le processus accélère. Depuis la brisure? Tu dois le protéger, Amicia. Tu dois poursuivre les travaux de ta mère. Moi? Mais comment? Mes parents ont essayé et maintenant ils sont morts. Laisse-moi! Ils sont ici. Les rats sont dangereux, mais désorganisés. Au contraire de l'Inquisition. Ils veulent le petit. Ils n'auront de cesse de le traquer. Nous devons disparaître. Il faut aller au château d'ombrage. Lucas, cours à la grange. Tu dois finir l'Inifère. Ne parlez plus. Je serai digne de vous. Je suis désolée pour vos parents. Mais vous n'êtes plus seul maintenant. On doit faire vite. Tu vas m'aider à préparer l'Inifère. L'Inifère. Ça nous protégera des rats. Viens, Hugo. Je veux pas que tu restes là. Ouais. Il a pas trop apprécié comment on lui a parlé, hein? Le matériel est dans la grange. Fallait plus de jambon pour attirer plus de... Je vois. Alors ne t'éloigne pas. Ça va, vous deux? Ça a été... un long trajet. Moi, je voulais un outil pour améliorer... ma bourse. Voilà. Wow!
Ah. Oh, le cheval. Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais dehors par une nuit pareille, hein? Quelque chose me dit qu'on va mettre le feu à la paille qu'il a derrière lui. Bon, on a déjà repéré les lieux, donc tout va bien. Oh non, ils sont revenus. Ils sont partout. Il faut qu'on aille au fond de la grange. On peut pas partir sans l'unifère. Comment on va faire? Le grain... Il nous faudrait de la viande. Morte ou vive. Oh non! On va se servir de ça. J'ai compris. Laisse-moi t'aider. Oh non! On va lui donner à manger? On peut dire ça. Désolé. À table, petit cochon. Désolé, le cochon. Je suis obligé de me remettre. Hein. C'était pas important que ça. Désolé, petit cochon. Oh non! Et personne m'a dit, hein, bien sûr, que j'étais plus présent à l'écran. Ça m'apprendra à pas regarder mon retour. C'est bon. Nage bien, petit cochon, ou tu auras mal au ventre. Il faut être sûr qu'il reste. Je vais fermer. Oh non, je sais ce qu'on va lui faire, pauvre cochon. Il y a une échelle sur le côté. Venez. Allons-y. Hugo? Hugo, écoute. Boude si tu veux, mais ne t'éloigne pas. Non, Benjamin. Vas-y, monte. Voilà pourquoi on avait gagné des pierres. Non ? Là, les lumières. Oui. Hugo, ne regarde pas, s'il te plaît. Pourquoi ? Non ! Amicia, qu'est-ce que tu fais ? Oh putain, c'est horrible. Ah, le jeu, oui, le jeu me laisse pas avancer, il faut que... Le pauvre. Effectivement, le pauvre. Attention, vous marchez. Ça, c'est pas du simple matériel de docteur. Mon maître est aussi et avant tout un grand alchimiste. Tu t'appelles Amicia, c'est ça? Moi, c'est Lucas. On va préparer l'unifère. Regarde si tu trouves de l'alcool et du soufre. Il doit y en avoir ici. Dis-moi quand c'est bon. D'accord. Alcool et soufre. Alcool, soufre. Je crois que j'ai tout. Leviter extractam sic. Tu fais quoi? Un assemblage chimique par dissolution des réactifs. C'est juste de l'alchimie. Ce four. Lucas, pourquoi mon mal ça doit être ça qu'ils appellent un matamor. Il a été mordu par un rat. Pas toi. Et est-ce qu'il va mourir? Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. On peut dormir? Non. Non. Démon. Ils ont capturé des rats, ils ont réussi à en capturer. Attends, on dirait mon bain quand je pète. Oh là là, super. Grosse vanne. Bravo. Je suis très fier de moi là. C'est bon, Lucas. Bien. Maintenant, tu vas les mélanger. Fais-le doucement, c'est sans danger. D'accord. Vous pouvez déjà fabriquer de l'unifère. Appuyez sur table pour ouvrir le menu de sélection. Voilà,
C'est... Oh non! Non! Y pensais? Non. Jennifer, Amicia, c'est le moment. Vise les braises au centre de la pièce. D'accord. Ah, c'est avec contrôleur. D'accord. C'est moi qui ai fait ça? J'ai vraiment fait de l'alchimie? Oui. Ton mélange était parfait. On dirait que tu as hérité de ta mère. Tu sais quoi? Je pourrais te montrer comment créer d'autres projectiles. Ça nous serait utile. Volontiers. Merci. J'ai fini mes mélanges. On doit retourner voir Laurentius. Amicia, tu devrais passer devant. Donc sa mère était une alchimiste également. D'accord. Bon bah finalement, il n'y a que le lit. Où est-ce qu'il va? Oh, il m'a fait peur, lui. Je devrais passer devant, Reculez. Minifère, lance-le sur les braises. Pourvu que ça ne m'explose pas au visage. Allez, monte. Par contre, j'en ai plus, là. Ça me... J'en ai plus, ça pue. Ah, dans le doute, j'en refabrique, hein. Il y en a beaucoup. Laurentius, je vais dégager un chemin. Je passe devant. Pas de problème. Allez. Laisse-moi. Hugo, écoute. Pour tout à l'heure, je voulais te dire, je suis vraiment... Vinesse. Ils sont partout. Lucas, je suis là. Il va où ce chemin? Lucas, on va où comme ça? Vers la rivière. Ah, ils m'ont ordonné, sympa. J'aurais peut-être dû enflammer les deux en fait. C'est peut-être aussi bien. En fait, vu qu'on a moins d'interface, ça se trouve, les ceux qui nous accompagnent. On est encerclés. Par où? On va où maintenant? Il y a une barque là-bas, après le moulin. Alors on y va. Amicia, le moulin, il est presque en feu. Ça devrait marcher. Lucas, viens. Si c'est bon, il est là. On va dire que c'est ok. Voilà, là c'est bon. Là je suis à fond là. Oh mon dieu. Ok, la lumière et l'eau. Je m'installe sur une île. À mon avis, c'est un orphelin qui a dû peut-être perdre ses,
ses parents, et du coup, le vieux monsieur l'a recueilli. Du coup, il vient de perdre son maître, son mentor, son peut-être son père, son grand-père. Et je pense que c'était, je fallait que j'enflamme les deux. C'est pour ça que le pauvre Lucas se faisait attaquer par les rats. C'est peut-être aussi bien qu'elle se soit fait boulotter. Comme ça, ça a repris la sauvegarde. Je me donne bonne conscience en disant ça, bien sûr. Les alchimistes appellent ça la première corruption, et elle voyage en silence dans le sang de certaines familles. Mais quelque chose s'est produit, la brisure, et la macula s'est réveillée, dans le sang d'Hugo. Mais qu'est-ce que ça va lui faire? La macula ignore le bien et le mal, elle évolue avec son porteur. Pour changer les choses, le monde, tu sais, ta mère et Laurentius essayaient d'aider ton frère, mais ils ont échoué. Non, je pense qu'ils ont juste manqué de temps. C'est ici. Cette tâche vous est maintenant dévolue, Frodon Sacquet. Hugo, réveille-toi. Allez Hugo, on va marcher. Ça va te réchauffer. En suivant la duc, on devrait arriver au château d'Ombrage avant la nuit. C'est vrai que... ce bruit ? C'est rien. Je me suis pas reposé. Des grenouilles, Hugo. Des grenouilles. Ah, il voulait voir. Oui. Il voulait voir des grenouilles. Prends les doigts. Des grenouilles, il y en a partout. Il voulait voir les grenouilles. Eh ben voilà. Il y en a plein. Ça va, t'as pas froid ? Un peu. Si. Ça a pas l'air de gêner Hugo. Hey, au moins il se réchauffe. Ouais, mais là, il s'éloigne trop. Maintenant, c'est Lucas qui nous suit. Regardez, je vais vers le haut, il va vers le haut, je vais vers le bas, il va vers le bas. Et ça serait pas une fleur pour ton herbier? Hugo, où est-ce que tu vas? Le jeu refuse de sprinter, hein. C'est pour ça également. Hugo, que... Hugo? Hugo. Regardez, je suis un chevalier. Un bouclier anglais. Où as-tu trouvé ça? Là-bas, c'était par terre. Repose ça. C'est pas pour les enfants. Non, t'es pas drôle. Allez, avance. Tu sens cette odeur? Ah, oui, ça sent mauvais. Ouais, c'est horrible. C'est vrai qu'il y a aussi, sans mauvais jeu de mots, les Anglais qui débarquent. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Attendez, pourquoi j'ai ça ici? Est-ce qu'il va me relâcher la main ou pas? Non. C'est bizarre. Si. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça sent vraiment mauvais. Ça vient de là-bas. Je redoute ce que ça va être.
Parce que pour l'instant, on n'a pas eu grand chose. De pas très joyeux. Je sais, Hugo, mais on n'a pas le choix. On leur fait mal, tu crois? Avance, Hugo. Avance. Pour la moindre personne qui est safe. Cette odeur, c'est insupportable. Je me sens pas bien. Regarde. La moindre personne qui essaierait de faire la réflexion. Oh, le jeu vidéo, pourquoi il nous montre ce genre d'horreur? Ça a existé. Le fait que ça soit montré, c'est... Hein? Cheval, Lucas, je sais pas. Non, t'approches pas. Laisse-moi d'abord anticiper ça. Ah merde, c'était les cailloux. Il va éclater. Bah bien sûr, c'est pour ça que je l'ai même pas regardé. Bien sûr que, qu'il allait éclater là. Il y a des gens, Arthur, là-bas. Il y a des gens. Ce sont pas des soldats. On fout le camp. Ils faisaient quoi? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Oh non, c'est... J'ai pas vu que la torche était éteinte. J'ai foncé dans le tas en mode ouais, on va les suivre. Oh, qu'est-ce qu'il a ce cheval? Lucas? Je sais pas. On va regarder, voilà. On va regarder l'éclatage. Oh non! Mera! Vous approchez pas! Il y en a partout! Amicia, partout, partout! Mais c'est pas vrai! Bah alors, ouais, non, mais. Voilà, on court, on oublie de regarder qu'il manque une torche, quoi. C'est terrible. Arthur, là-bas, il y a des gens. Ce sont pas des soldats. On fout le camp. Ils faisaient quoi? Ce sont des pillards. Ils cherchaient des choses à voler. Mais pourquoi? Pour survivre, sans doute. Ouh. Y en a un qui m'a boulotté un pied, hein. Pas de problème. Je pensais pas que ce serait si dur. Hugo, il va falloir que tu traverses. Mais je peux pas, il y a des rats partout. On doit ouvrir un chemin. Aide-moi avec ça, tu veux? Bien. C'est bon, tu peux y aller. Oui, oui. Oh, fais attention. C'est bon, j'ai réussi. Prends-en 12. Viens, reviens. Allez. Reviens, prends-en 12. Des bâtons, prends-en plein. Voilà.
T'es en train de me dire qu'on en a qu'un? Bien joué, tous les deux. Faut qu'on aille où derrière? Mais non, il arrive que dalle. C'était quoi? Qu'est-ce que je viens de voir? Ça faisait encore partie du tuto. C'est horrible. Mais ça a marché. Et ça suffit? On peut passer maintenant ou? Ou le jeu va me dire game over? Non, c'est bon, on peut passer. Quand ils sont distraits, les rats, on peut passer. Ok. Je retiens. El tutorial. Il y a trop de rats. On est coincé. Mais non. Par contre, j'ai bientôt plus d'huile. Vous alarmez à rien, hein. J'ai plus d'huile, on va. De la lumière. Merci. Tiens, ça serait pas nos vermines de pillard, ça. Alors, ça serait pas nos vermines de pillard, ça. Tiens, bah c'est le quintuplé. C'est le cinquième, hein. Oh, à mon avis, on... Ça fait plus hein, qu'on croise. Attendez, je vais là-haut d'abord. Parce que les bâtons, c'est pour avancer. Alors, on avait dit quelque chose qui utilise le ça. Mais j'ai pas d'outils de fabrication de merde. Bah voilà, comme ça j'ai plus de... J'ai plus d'huile. Ah bah voilà. Il suffisait de demander. Et maintenant je peux avoir les composants, c'est ça. Ça va, ça on utilise. Ça me rendra plus furtif, ça c'est quoi? Alors, réduit le temps que met à charger sa fronde. C'est vrai que ça utiliserait pas mal de cordes. Le bruit de ses mouvements. Alors est-ce que ça va servir? Je ne sais pas. Pas mal. Pas mal du tout. Je ne sais pas si ça servira, mais nous l'avons fait. Monte. D'accord. Je vais voir ce qu'il y a. Oh ouais, dis donc, Lucas, tu mettras ta tête un peu plus... Hein? S'il te plaît. Il n'y a que des loot. Ouais, c'est ça. Par où on va passer? Ils sont partout. Et ils sont partout, et ils sont dans les murs, et ils sont dans les murs. Suivez-moi, ma petite armée. J'ai pu... J'ai tiré au moment où lui aussi a tiré. Sauf que bah voilà. Hein? C'était rigolo, hein? Vas-y, monte. Pas de problème. Alors est-ce que ça... Remets ta tête là où je pense, ouais.
On saura qu'à l'avenir, les ennemis peuvent... Par où on va passer ? Ils sont partout. Les ennemis peuvent... Alors, il fallait que je lâche, là. Ils peuvent nous jeter des petits trucs. Ah, quand j'ai ça, je ne peux pas tabuler. Nick est mort. Eh oh ! Arrêtez de compter les morts. Va pousser. Je vous aide. Attention, ne te brûle pas. On fait trop de bruit. Ils vont nous repérer. Encore une fois, j'aime pas ça. On peut pas. J'arrive. Des os, pas des os. C'était rapide. Je rêve où il avait de l'huile sur lui. Yes! Il avait de l'huile sur lui. Bien. Les roues sont embourbées. On va continuer ça. Venez. Ah, mais qu'est-ce que tu fous? Mais tiens, le mieux que ça! C'est dégueulasse ton truc. Oh, ça va, je veux juste ses dents. Ouais, quand même. Ben quoi? Ses dents? De la viande à rat. Il faut qu'on continue à suivre l'actu, Patricia. Ouais. Mais il y a des rats partout. Chut, on va trouver une solution. Là-bas, une torche. Si j'y vais seul, j'ai une chance. Ah, chier, j'y arrive pas. Tu veux pas que j'essaye? Ah, mais c'est pas vrai. Trouve-t'en un autre. Ah, bordel, j'en sais pas ce qui manque. Et vous avez rien de mieux à foutre que vous acharner sur un cadavre? Donc elle a dit si j'y vais tout seul. Bien, à tout de suite. Ah non. Ah bah oui, bah ils ont repéré. Ah, super. C'est fini maintenant. Allô ? Non, je pensais qu'il allait m'attaquer moi au bout d'un moment. Oh oui, oh, c'est Lucas qui a pris. Il faut qu'on continue à suivre l'actu, Camicia. Mais il y a des rats partout. Chut, on va trouver une solution. Là-bas, une torche. Si j'y vais seul, j'ai une chance. Attendez ici, et pas un bruit. D'accord. Ah, bordel, j'en peux plus de ces rongeurs. Et vous avez rien de mieux à foutre que vous acharner sur un cadavre? Je sais pas, il fallait que je revienne avec la torche ou pas? Allez, allez, oui. Non mais, je voulais me pencher moi. Ah, il reste là-bas finalement, d'accord. Oui, c'est d'accord, il revenait parce que j'avais raté le créneau, et maintenant que je l'ai, maintenant que j'ai la torche, c'est bon, quoi. De venir.
Ah non, mais c'était pas du tout mon chemin. Faut que j'aille là-bas. En fait, j'en ai rien à foutre de venir ici, moi. Aveugleman, bah oui, mais complètement. Mais complètement. Alors, je prends les petits chemins, voilà, pour trouver ce genre de joyeuseté, vous voyez. J'en ai rien à foutre, voilà, qu'il soit, alors... Voilà, tout simplement. Ah, d'accord. Et c'est quand on n'enfonce pas assez, voilà ce que ça donne. Hein. Les cailloux, ils partent n'importe où. J'ignorais tout ce que tu vois ici, Hugo. Et vous voyez, je... Allez, rentrez, vite. Amicia, il y a quelqu'un là-bas. Oh non. Mais bordel, mais ça vous amuse? Mais sortez-moi de là. Hé hey. Amicia, il peut pas sortir. Chut. On est obligé d'avancer. Oh non. C'est pas trop tôt. Oh non. Hé hey. Oh! Mais qu'est-ce que vous faites? Mais arrêtez! Ah non, mais non! Non, alors. Que je vous explique. En fait, je voulais voir si on pouvait lâcher. Enfin, entreposer la torche. Parce que je voulais lui créer une zone. Allez, les gars, aidez-moi! Je voulais lui créer une zone. De chaleur, en fait. Je voulais essayer de le sauver en fait, parce que j'ai bien compris. On va lui pousser les rats vers lui. Oh putain de merde. Je voulais viser ça à distance sans qu'on ait à le tuer. Oh non, la torche. On fera sans, Amicia. Il y a un soldat. Il bloque la route. Je ne vois pas d'autre chemin. On n'a pas le choix. Faut le prendre par surprise. Tiens, prends ça. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ces choses? Du somnum. Tu vas voir, mélange-les. Comme ça? Voilà. Maintenant, tu vas l'écraser sur son visage. Mais t'es fou. Lucas! Non, j'espère que tu sais ce que tu fais. En dehors des finitions, les approchez-vous discrètement dans le dos. Alors du coup... Attendez ici, je reviens. D'accord, attention à toi. Hein? Il dort vraiment? Oui, pour un moment. Merci, ça va nous sauver la vie. Ah! Dans votre inventaire, lorsqu'un ennemi... Les attrapes, vous pouvez l'utiliser en dernier recours pour échapper à la mort, mais attention, son coût de fabrication est très élevé et risque de pénaliser vos futurs. Je ne sais pas, je n'ai pas eu le temps de voir. Mais vous verrez la suite dans la prochaine vidéo. Au revoir.